Hello les amis, voilà, on se retrouve pour un nouvel épisode et série sur Tomb Raider Definitive Edition. Donc, dans les dernières années, il y a eu 3 Tomb Raider qui sont sortis sur les consoles old gen, donc PlayStation 4 et Xbox. Donc, je vais commencer par le premier qui est sorti, après je vais faire le Rise et après le Shadow. Donc, celui-là, on va le faire tous ensemble. Le deuxième aussi et le troisième aussi. Donc moi je dirais de partir tout de suite et commencer l'aventure avec notre bien-aimé Lara Croft et Tomb Raider. On y va. Un célèbre explorateur a dit un jour: les choses extraordinaires dépendent de nos actes. Dis-moi tout. Pas de qui nous sommes. J'avais enfin décidé de partir faire mes preuves. Quelle voix sensuelle. Pour chercher l'aventure. Quelle est belle Lara. C'est l'aventure qui m'a trouvé. Dragon Triangle, South of Japan, Endurance Expedition, Day 22. Allez, ça va partir en sucette ici. Dans les instants les plus sombres, quand votre vie vous abandonne. Oh purée. Il y a toujours quelque chose. Bien sûr. Quelque chose qui vous maintient en vie. L'envie de vivre. Quelque chose qui vous pousse à avancer. Oui. Wow, tout juste. Tout juste. On est sur Xbox Series X, toujours. Se passe-t-il? Ouh! Quelle pêche! Square Enix present! Qu'est-ce qui se passe? Ouh! Non! Je veux partir! Miguel, tu m'as kidnappé, il a dit: ouh! Quelle est belle celle-là, je vais la tenir avec moi. Ah, production off. Crystal Dynamics. J'ai eu peur d'elle de neige. Comme elle tremble, la pauvre. T'inquiète pas, on va essayer de s'en sortir comme il le faut. Donc. Il arrête de gueuler. Tu ne vas point mourir. Oui, j'arrive. J'arrive tout de suite. Allez, Lara, bordel. Il faut pas que je touche l'eau quand même, hein, parce que. Non! Bon. Nathan Drake et Lara, moi je les verrais bien en couple, hein, franchement. Ils sont la poisse pas possible ces gens. Avec tout ce qu'il y a, elle va tomber sur le truc en fer. Comme Nathan quand il grimpe, il tombe. Il n'arrive pas à faire une grimpade tranquille. Mais c'est quoi ce bordel? Je vous dis la vérité, ce Tomb Raider là, je l'ai jamais commencé, j'ai jamais fait. Donc je ne sais pas. Comment ça se passe? Je ne sais pas s'il est bien ou il a des bugs ou quelque chose du genre. Quel boucan!
Donc mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ce Tomb Raider, si c'est bien ce que je suis en train de faire, de faire ce Tomb Raider-là avant les autres. Je ne pense pas que les histoires, elles suivent. C'est comme... Enfin, il y a un minimum qui suit, mais je pense pas que ça suit à 100% les histoires, quoi. Donc, comme... Comment dire ? Comme Uncharted, en fait, vous avez l'histoire principale. Et après, vous avez la petite histoire quand qu'elle rencontre sa future femme ou des choses comme ça, quoi. Wow ! On peut pas la lancer ? Examiner. Mais ça, je sais. Mettre le feu. Allumer le feu. Allumer le feu. Elle explose. Explose. Bam. Mingalo, tu vas s'énerver, moi je vous le dis. Hein. Je vais tout faire effondrer, moi, ici. Oh, purée, j'ai eu peur. Non. Non. Dit comme ça, je vais juste t'aider. Il dit toujours la même chose en fait, le mec, avec la même. Avec le timbre de voix. Je veux juste t'aider. Reviens. Je veux juste t'aider. Reviens. Je veux juste t'aider. Bizarre. Bon, jusque maintenant, ça va. Pas de bug. Mais je sais pas pourquoi je sens qu'il va y avoir des bugs dans ce jeu. J'ai l'impression là. Trouver une sortie. Oh, donc LB. Je t'entends encore gueuler l'autre. Il faut allumer la lampe torche. Et par où dois-je? Wow. Donc je dois monter par là. Quel bordel ici. Vous avez jamais, on vous a jamais dit qu'il faut faire la poussière ici ou pas? Ok. Ça ne marche point. Donc là, là, ok. Ah, ok. Wow. Dès qu'il y a beaucoup... d'affaires dans le truc. Allez, avancez. Est-ce que je peux allumer? Est-ce que je peux allumer? Oui. Donc je vais attendre un peu que tout ce bordel finisse dans la... On va appeler ça comment? Sur le monte charge. Je ne sais pas comment l'appeler. Donc on va l'allumer. Et je vais être rapide. En espérant que ça s'éteint pas. Est-ce que ça va amener tout le bordel là-bas? Oui. Est-ce que ça a pris? T'éteins pas, hein. T'éteins pas. Ok. Il y a tout qui va exploser maintenant. Voilà, bien joué, Lara. Encore une fois, tu vas tout faire écrouler. Cours. Il
quel bordel que ça va faire. Pourquoi je sens que ça va faire le bordel? Oh merde! Non! Qui bordel qu'il a foutu? Gadrick, il est petit à côté d'elle, hein? Tiens, on ta face, connard. Ouh, cette fois, j'y suis arrivé. Cours, Lara. Ouh. Non. Man, comment ça me stresse. Wow. Mate juste. Un film d'horreur. On dirait The Ring. Quand elle monte le puits. Oui. Dis-moi qu'on est sorti. Waouh. On y est arrivé. Ça fut un plaisir de commencer le jeu aussi bordélique, mais. Bordéliquement parlant. Voilà. À l'époque, je me souviens que les gens avaient dit qu'il était quand même beau le jeu. Hein. Mais moi, je ne l'ai jamais testé. Je l'avais acheté, mais. Mais je l'ai acheté sur PlayStation. Mais là, vu que j'ai beaucoup plus de jeux à faire sur Xbox, je le fais sur Xbox parce qu'il est sur le Game Pass gratuitement. Donc voilà. Tomb Raider! Que dois-je faire, ma très chère Lara? Elle est blessée grave, hein? Le canot de sauvetage. Mais où sont-ils? Ils ont dû avancer dans les terres. Il faut chercher. On va pas... commencer à chicaner. On va commencer à chercher, sinon on s'en sortira jamais ici. Cours, Lara! Passe, Lara! Okay. Glisse pas, Lara! Doucement. Gars, moi, tu me dis ça. Je sais bien ce qu'il faut faire. Hein. T'inquiète pas, Lara. Je te guide, moi. T'inquiète. Wow. Lara. Je ne suis plus sûr de moi là. Ah, ça va, ok. Wow. Je suis en train de transpirer des mains, bordel. Ça, c'est quand je suis trop dans le jeu, je transpire des mains. C'est ce genre de jeu qui me stresse tellement que j'adore en fait. Cette tension qu'il y a dans le jeu. Ok, je dois grimper par là, ok. J'ai déjà compris comment faut grimper. C'est des années d'expérience. Par contre, je veux bien, mais c'est vrai que... les touches ont changé. C'est plus les anciens Tomb Raider. Bon, mais c'est possible. Oh! C'est possible qu'en fait l'avion il bougeait pas et maintenant que je suis dessus, il est en train de bouger. Je vous l'ai dit, hein, ils peuvent se donner la main. Lara et Nathan. C'est impressionnant. J'aimerais bien avoir un jeu avec les deux en fait. Je vais envoyer un mail en disant faites un jeu avec Lara et
Lara Croft et Drake. Le sac de Sam. Merde. J'aurais dû descendre par la gauche, mais... Je ne sais point attendre. Elle s'est nettoyée de tout le sang et des crasses, avec la pluie. Ils ont dû passer par là. Elle est revenue à sa beauté d'origine. N'empêche qu'il y a eu une de ces évolutions dans les Tomb Raider à... dans celui-là, de celui-là. Merde, je suis mort. Ah non, je suis pas mort. Je suis pas mort, ça va. Je pensais que j'étais mort. C'est qu'on peut passer par ici aussi, apparemment. Pourquoi j'entends des loups? Le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. Mon, t'es frigorifié, viens te réchauffer, viens. Je parle du feu, hein. Vous allez pas croire que je parle aussi dans les aux jeux vidéo. Quoique oui, je fais que ça, mais bon. Si vous avez pu voir mes épisodes, je fais que parler avec les bonhommes des jeux. Elle me fait de la peine comme elle tremble. Bah, allume le feu. Hein. T'es une pote à MacGyver. Tu devrais savoir comment on fait. Avec tout ce feu, elle a réussi à trouver du bois qui est pas... mouillé. Espérons que ça va aller. Tu l'as pris vite. J'aimerais bien que quand je fais des barbecues, ça prend si vite le feu. Comme ça, pam. Belle chaussure, Lara, franchement. C'est mon style. À un moment donné, il va s'éteindre le feu. Faut qu'on se bouge. Et voici la future référence mondiale de l'archéologie, Lara Croft, dans son habitat naturel. Elle est à la recherche du royaume perdu du Yamatai, sur les traces de Himiko, la mythique reine solaire. Une de mes ancêtres, semble-t-il. Sam, c'est sérieux, là. Mais je sais, ma belle. J'essaie juste de détendre un peu l'atmosphère. Tout le monde est tellement à cran. Dis-moi ce qui te préoccupe. Je tiens quelque chose. J'en suis persuadée. Mais je sais pas si les autres m'écouteront. Ou s'il faut qu'ils m'écoutent. Lara, personne ne connaît ce sujet aussi bien que toi. Sérieusement, je dis pas ça juste pour te rassurer. Je te fais confiance. Et Ross aussi. Ça va aller. Allez, c'est le moment de faire une pause. Faut se détendre. D'accord, d'accord. Eh, Sam, merci. Elle n'est pas toujours aussi sérieuse. Je me demande s'il n'est pas sorti en 360 aussi, et sur PlayStation 3, ce jeu. Mais comment pouvez-vous insinuer que je ne prends pas cette expédition au sérieux, là? Faut que je regarde, parce que je me souviens plus. Moi aussi, je finance le projet. Nous jouons tous gros dans cette histoire. Oui, je sais. C'est précisément pour ça qu'on doit aller vers l'est, pas vers l'ouest. En tout cas, celle qui fait la voix à Lara, la voix elle est terrible, elle est top. Hein. Tous les ouvrages de référence disent le contraire. Cela dit, leurs auteurs n'ont jamais trouvé le Yamatai. J'en ai déjà parlé avec Ross. Ça ne rime vraiment à rien de marcher sur les traces des autres, Dr. Whitman. Ne comptez pas sur moi pour jouer ma réputation sur une de vos... Car on était encore en HD, HD 1080i. Quand vous n'êtes pas allé sur le terrain sans caméra derrière vous. Donc ça, je pense que ça fait la 360. De doctorat, dont un moyen. De l'extrême-orient. Alors, occupez-vous 360 PS3. Navire, Dr. Whitman. C'est un navire.
Pas besoin d'un doctorat pour savoir ça. Écoutez, faire cap vers l'est nous mènera directement dans le triangle du dragon. C'est là où nous devons aller. Lara, ma petite Kai. Tu sais bien que je serais prêt à suivre n'importe où, mais j'aime pas cet endroit. Ces tempêtes feraient passer le triangle des Bermudes pour Disneyland. C'est tout pour moi. Certains récits racontent que la reine Himiko pouvait invoquer des tempêtes. Les mythes sont souvent des déformations de la réalité. Et si le Yamatai se trouvait à l'intérieur du triangle ? Tenez, voilà une image satellite montrant l'intérieur du triangle du dragon. Ça ne donne pas envie. Tant qu'il y a de l'eau, je peux vous y amener. Oh, ne me dites pas que vous êtes sérieux. Reyes a raison, on n'a pas les moyens de tergiverser. C'est maintenant ou jamais. Lara a le mérite d'avoir des idées et une carte. C'est moi le capitaine, c'est moi qui décide. On va aller dans le triangle du dragon. Comme bon vous semble. Enfin, ils sont décidés. Payez tout ce bordel pour dire ça, quoi. Et du coup, est-ce que Lara avait raison ? Ou il y a eu des morts en vain ? Est-ce que c'est fini de pleuvoir ? Je peux pas rester là, rien faire. Il faut que je trouve quelque chose à manger. On va becter un peu. Allez, on va grailler, comme on dit. Wow ! Qu'est-ce qu'il y a eu ? Ça m'a fait peur, Lara. Qu'elle glisse, on dirait qu'elle est en train de se faire tirer dessus. Il y a un arc. Il y a un zombie l'autre qui pend là. Alors, là. Lui il est là, donc ici il y a un bois. Est-ce qu'il y a moyen que je monte ici déjà? Ouais. Donc on va prendre un peu. Oui. Attention, Lara. Avance, Lara. Wow. Je peux y arriver. Lâche. Minga, c'est pas possible. Oh, purée, comme il est moche. Arc improvisé. Nouvel équipement. Reçu. La condition physique et la technique ne suffisent pas. Tu n'y arriveras que si tu te concentres. C'est le seul moyen d'apprendre à maîtriser une arme. J'ai perdu une arme pour rien. Enfin. Il faut absolument que je trouve à manger. Du coup, ben, il faut trouver quelque chose à manger. Ben, on va chercher. Hein. Alors, tantôt, j'ai vu un cerf. Donc, je suppose qu'il faut tuer un cerf. Comme d'habitude, je ne le mettrai pas dans mon épisode parce que j'aime pas le fait qu'on voit des animaux qui meurent dans les épisodes. Enfin, dans les jeux déjà, dans la réalité aussi. Du coup, je vais pas le mettre. Il est là. Bon, voilà. On se retrouve après avoir tué le... Après avoir tué le cerf. Malheureusement, ça me fait de la peine, mais ça devait arriver. On va aller dans le camp pour aller manger. Compétences. Dépensez vos points de compétences dans le menu compétences pour améliorer vos capacités. Instinct animal. Une meilleure observation vous permet de repérer des animaux et des ressources de nourriture difficiles à trouver. Instinct animal, ok. Mais si j'ai envie de faire autre chose. Ah, j'ai déjà pris ça moi. Merde. Bah tant pis, hein, écoute. Feu de camp. Ici Conrad Ross, capitaine voilà. De l'Endurance. Nous sommes naufragés sur une île dans le triangle du dragon. Ross, Lara, tu es en vie? Calme-toi, calme-toi. Tu vas bien? Qu'est-ce qui s'est passé?
Je me souviens de la plage, et puis plus rien, je me suis réveillée dans une grotte. Il y avait un homme qui me poursuivait, et puis il y avait un cadavre. Oh non. Où es-tu, Lara? Tu es en sécurité? C'était vraiment horrible. C'est de ma faute. Tout ça, c'est ma Lara, faute. Lara, écoute-moi. Très mal joué, hein, ça. Je vous l'assure que... J'ai déjà vu mieux. Je pense que vous aussi. J'ai parlé aux autres. On se regroupe sur ma position. S'il te plaît, viens me chercher. On dirait qu'il est asiatique, en fait, sur... sur ce Tomb Raider. Tu te souviens du mont Snowdon? Pendant qu'on grimpait, tu disais que la seule option, c'était d'avancer. Donc nous, on fait quoi? On avance. On avance. On est des téméraires. Les téméraires de Uncharted sont arrivés aussi dans Tomb Raider. Pourquoi il y a une musique? C'est quoi cette musique? Il y a quelqu'un? Monsieur? Oh oh. Mais pourquoi aller là-dedans, Lara? Il y a un film d'horreur, quoi. Il y a encore des gens? Comme tantôt? Comme des monstres? Comme les monstres qu'il y avait tantôt? Et si on est sorti, elle rentre dedans à nouveau. Ben ça, je sais pas, franchement. Je ne te comprends pas. Oh non. C'est de la folie. Ouais, ça, j'assure que... C'est la vérité. Ah, elle pousse la torche assise, y'a rien qui prend au feu. Le masque de nos traditionnels représente une méchante femme à l'apparence de démon. Ok. Donc, pivoter. Il y a des traces de peinture blanche à l'intérieur. La personne qui utilisait ce masque était issue de la noblesse. Y'a plus rien? Non. Ok, c'était un secret en fait. Ou un trésor, comme on aime bien les appeler. Allumez le feu. Un hôtel avec des crânes. Waouh. Ça doit puer la mortadelle. Hein. Je me demande si c'est de la viande humaine. Ah ok, ça c'est pour... je peux tester de forcer avec ça en fait, ok. Je bang. Voilà. Elle est vraiment sadique cette femme. Continuer vers l'inconnu avec des trucs qu'on vient de voir, franchement, c'est grave. Ah, on sort déjà? Tant mieux. Ça fait plaisir de revoir un peu la nature qui a repris ses droits. Wow, je suis là, les amis. Oui. On a fait du feu, cherche la fumée. On est en route. Lara, tu es vivante. Sam, Dieu merci.
Surprise! C'est bon, il est avec nous. Désolé de vous avoir fait peur. C'est qui, lui? Cet endroit a le don de rendre les gens nerveux. Nous venons de contacter vos amis. Ils sont en route. Regarde, il a soigné mon pied. C'était le moins que je puisse faire. Excusez-moi, je me présente. Je m'appelle Mathias. Je suis enseignant. Je n'ai pas vraiment été formé pour la survie, je le crains. Je ne te fais pas confiance du tout. Assieds-toi. Oui. Sam était en train de me parler de la Reine Solaire. Oui, Iniko. Vous pouvez m'en dire plus? Ça m'intrigue. Eh bien, croyez-le ou non, il y a environ 2000 ans, la Reine Iniko régnait sur pratiquement l'ensemble du Japon. Elle adore raconter cette histoire. Iniko était superbe. Énigmatique, mais aussi intraitable et autoritaire. La légende dit qu'elle avait des pouvoirs chamaniques. En général, vous voyez, c'est là que je décroche. Il y a pourtant toujours du vrai dans les mythes. Elle était à la tête d'une armée de guerriers samouraïs, les puissants gardes-tempêtes. Ils commandaient aux éléments sur le champ de bataille, dévastant tout sur leur passage. On dit que la reine ordonnait au soleil de se lever, et qu'elle régnait sur tout ce qu'il touchait de ses rayons, depuis les montagnes jusqu'aux mers. Elle s'endort. Pourquoi elle s'endort ainsi? Elle a été droguée? Sam? Mathias? Sam? Sam? Merde. Qu'est-ce qu'elle a foutu encore? Mais c'est pas possible. Avec les années d'expérience que t'as, tu sais même pas voir ce qu'il y a à terre. Oh là là, Zlara, tu m'énerves. Oh oh. Ouais, mais viens m'aider. Par reçu, j'ai trouvé Lara. Oh purée. Voilà, enfin. Ça fait plaisir de te revoir, ma belle. Moi aussi, ça me fait plaisir. Sam est avec vous? Elle était avec toi. Elle était là, avec cet homme, Mathias. Et je me suis endormie. À mon réveil, ils avaient disparu. Vous n'auriez jamais dû partir comme ça. Il faut qu'on les retrouve. Hé, hey, oh, 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 hey, pour Ross. Ok, on se sépare. L'un de nous part rejoindre Ross avec Lara. Les autres se dispersent pour chercher Sam. Je vais avec elle. Non, 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 je vais y aller. Vous savez vous servir de ça? Ça fait longtemps. Mais ça va me revenir. Trouvez Ross. On se charge de Sam et de ce Mathias. Est-ce que ça va aller? Oui, j'ai... juste besoin de me reposer une minute. Ok. On va se poser un peu dans... sur notre campement. Pour dire de... reprendre un peu les énergies. Ne bougez pas. Je vais jeter un œil. Ok. Ah, ça, il va disparaître aussi, lui, je parie. Alors moi je dirais d'arrêter cet épisode ici, j'espère que vous avez aimé. Donc on a commencé une nouvelle série sur Tomb Raider Definitive Edition qui est sortie normalement sur PlayStation 4 et Xbox One, mais peut-être qu'il est sorti aussi sur 360 et PS3, il faut que je regarde. Donc un grand merci pour tout ce que vous faites pour moi, franchement je ne le dirai jamais assez. Donc je vous dis un très grand merci encore une fois. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous, partagez ma vidéo, partagez ma chaîne, enclenchez la cloche pour recevoir mes dernières vidéos que je poste tous les jours, matin, après-midi et fin d'après-midi. Un grand merci et à la prochaine. Enclenchez la cloche encore une fois, commentez et à la prochaine. Ciao, ciao.